Normalement, on se tutoyait. Oui, on se tutoyait. Tu devais sortir un album qui allait s'appeler Canoë Kayak sur la Dordogne. Ah oui, voilà. Alors on en est où? Kayak. Christophe, je suis très contente de te retrouver ici au Francophonie de La Rochelle. Les Franco, pour toi, c'est pas une nouveauté. Ça représente quoi, les Francophonies de La Rochelle, pour toi? Ouais, c'est un peu toute mon histoire avec la musique, en fait, parce que ça fait depuis longtemps que ça dure, donc ça fait 25 ans. Au départ, c'est Jean-Louis Foulquier, évidemment, puis Gérard Pont. Aujourd'hui, Gérard Pont, c'est un Brestois, donc je connais depuis encore plus longtemps, donc... D'organiser des grands festivals en Bretagne quand j'étais au début des années 80, j'étais rôdi sur ces gros festivals, donc ouais, ça devient presque familial, quoi, en fait. Et puis il y a la sirène également, avec David et Mathieu, enfin, c'est des gens que j'aime vraiment beaucoup, donc ça. Les Francopholies sans les petits artistes en émergence, ou qui, ça n'existerait pas, quoi. C'est pas que du business, c'est que des têtes d'affiches qui remplissent à coup sûr, quoi. C'est vraiment tous ces jeunes artistes qui ont l'occasion d'avoir une couverture médiatique, des plateaux inespérés, tout ça. Ouais, c'est vraiment ça, l'essence des Franco. Mais La Rochelle sans les Francopholies, c'est un peu comme un port sans marin. C'est vrai? S'il n'y avait pas eu de Franco cet été, ça aurait été triste. Quoi. Une année blanche, c'était vraiment pas possible. Mais du coup, qu'ils aient pu monter des Franco comme ça, avec des bouts de ficelle, avec l'énergie, en fait... On retrouve quelque chose de militant là-dedans. Enfin, les gens viennent, c'est pas pour une histoire d'argent, de médias et tout ça. Enfin, on trouve l'essence de ce que devrait être un festival. Là, toi, comment tu l'as vécu, cette période de confinement? En étant ultra privilégié, parce qu'on est... J'habite dans le Finistère Nord, donc on était très loin de la vague du virus. Et puis avec Mirabel Gillis, ma compagne, on s'est mis au travail. On n'aurait jamais pensé chanter ensemble, on n'avait jamais imaginé ça une seconde, enfin c'était même pas l'ordre du jour. Et puis le confinement a fait que ça, on s'est lancé dans un projet, puis qu'on a fait un disque qui sort en septembre. Oui, sort en septembre, et du coup on fait une tournée pour jouer l'album dans l'ordre, mais en faisant des nouveautés, quoi, en faisant des morceaux qui ont été créés en 2020, histoire de ne pas être que dans l'histoire ancienne. Et la tournée, elle commence quand? Fin septembre, à Brest. À Brest, au Vauban? Non, quoi, mais elle finira à Brest, au Vauban. Non, non. D'accord, mais merci. Non, je suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien. Quand je veux de toi, c'est tout.